tiens à vous remercier tous de votre présence et je souligne la présence de M. le maire, M. Michel Blackburn, la présence de M. le député provincial, M. Vincent Caron, la présence de M. le député fédéral, M. Joël Godin, Mme Anne-Sophie Couture-Goulet, coordonnatrice marketing chez les équipements d'érablière CDL. Le président de la Société d'histoire, M. Michel Dartrait. Et bien sûr, nous avons le courrier de Portneuf, CJSR, Clic Portneuf, ma fille Lisa, ma belle-mère Juliette, mon oncle Mario et ma tante Judith, et tous les autres, bienvenue. Dans le fond, on va commencer tout ça avec Mme Christine Genet, qui va nous conter un petit peu son parcours jusqu'à sa canne de sirop d'érable qui, dans le fond, tout ça découle de cet événement-là, de la canne de sirop, en fait, qu'on se retrouve toute la gang ensemble. Vas-y, Christine. Oui, bien, bonjour. Je suis contente que vous soyez toutes là. Puis, fait que c'est ça. Fait que moi, quand j'étais jeune, je faisais de la peinture. J'ai deux passions dans la vie. Je vais essayer d'y aller lentement, là. Maman m'est saoulée. J'ai deux passions dans la vie, c'est la peinture puis la sériculture. Puis quand j'étais jeune, attends, je vais lire un peu. J'étais autodidacte. Puis j'ai découvert mon véhicule d'expression dans l'art naïf. Puis mes grands-parents, là, je change de sujet, là je tombe dans la cabane à sucre. J'adore la cabane à sucre parce que mes grands-parents, il y en avait une. Ensuite, ma mère en a eu une, érablière. Avec Coco, Claude Germain, que donc j'ai une érablière qui m'a été en héritage. Après ça, ben, sans aucun doute, eux autres, ils m'ont toutes donné la passion que j'ai pour l'érablière. C'est pour ça qu'on est ici d'ailleurs. Et puis, aussi, j'en ai d'autres. Mon oncle, c'est un passionné d'érablière, ma tante, il y a Jean-Roch, il y a tout le monde ici, il y en a un peu. Puis, depuis 1999, que j'ai ma propre érablière. Fait que j'aurais aimé, pour la canne de sirop, quand, là, une couple d'années, j'aurais aimé ça d'en avoir une de mon dessin. Mais moi, j'ai un petit volume, j'ai à peu près une centaine d'érables, donc c'était impossible. Là. Je ne pouvais pas compter là-dessus, ça m'aurait coûté une fortune faire une canne, c'était impossible. Fait que je n'avais pas. J'avais peint des cannes, pour vrai. Et je donnais ça à des amis ou peu importe. Fait que quand j'ai reçu le courriel, je vais vous le lire. Dans le fond, je m'en vais sur Facebook comme d'habitude, comme tout le monde ici, j'imagine, un matin et tout ça. Et puis là, je lis le message. « Bonjour, Madame Genet. Vos œuvres sont superbes. Je suis graphiste pour les équipements CDL, leader en conception et en réalisation d'équipements destinés aux producteurs acéricoles. J'ai comme projet de refaire le visuel de nos cannes de sirop d'érable et je trouve que votre style conviendrait très bien. Est-ce qu'il s'agit d'un projet qui pourrait vous intéresser? » Ah, il connaît pas la fille, là! Fait que là, c'est marqué « Est-ce possible d'avoir vos coordonnées afin de discuter puis échanger sur le sujet? Merci, Éric. » Hey, c'est ça, j'ai dit oui tout de suite, sans hésiter, là. Ça, c'est sans aucune hésitation. Fait que quand j'y ai parlé, plusieurs me demandaient si c'était un concours, parce qu'il y en a déjà eu un concours avec d'autres. Et non, c'était pas un concours. En tout cas, je ne penserais pas, c'était pas un concours. Et il y avait deux choses qui me disaient qu'il fallait que je respecte. C'était la dimension du tableau pour qu'il y ait sur la canne. Tantôt, j'ai eu une question, comment t'as fait pour ça? Bien, j'avais la dimension d'un tableau, puis quand on, tu sais, pour qu'il y ait sur la canne, dans le fond. Fait que j'ai fait une dimension plus grande. Et puis, juste qui mettait les informations. Fait que j'avais ça à respecter. Tout le reste, j'avais carte blanche. Fait que j'étais aux anges. Mais vous dire que j'ai commencé quelques jours plus tard le tableau, puis ça n'a pas été trop long quand même. Quand ils l'ont présenté, je crois que c'était à l'unanimité qu'ils ont tout accepté. Et ça s'est enchaîné par la suite. Tout s'est enchaîné. Fait que pour le tableau, moi, ce que j'ai fait, je voulais que ça ressemble à ce que moi, je vivais, tu sais, à cabane à sucre, des beaux moments, la famille, tu sais, mes grands-parents, ma mère, des amis, les parties, les enfants, tout ce qu'on a sur la canne de sirop, c'est un peu ce que moi, je retrouvais quand j'étais enfant ou même à cette heure encore. Écoute, des parties, on en fait, on mange la tire, et tout ça. Puis aussi, c'est ça, fait que je voulais partager ça avec vous parce que je suis très fière de l'avoir faite, la canne. Fait que j'ai voulu mettre aussi en évidence ça. Et là,
Un autre courriel. Le 1er juillet. Patricia Giguère, une fille de Chambly, qui demeure depuis 13 ans en Australie. Elle se promène avec sa crêperie mobile. Ça fait depuis 10 ans. Puis cette année, elle veut ouvrir une crêperie pour continuer son aventure d'un crêpe. Fait qu'elle m'a contactée, là vous allez voir, je m'en viens, là. Elle m'a contactée après avoir fait des recherches sur Internet pour trouver des produits qui pourraient bien représenter une scène québécoise de cabane à sucre. Fait qu'elle est tombée, évidemment, sur mes peintures d'or naïf, puis c'était parfait pour elle. Donc, elle veut intégrer et partager l'histoire de la culture du Québec à travers ses crêpes et sa crêperie, et donc le sirop d'érable est en vedette. Elle m'a acheté plein de trucs, dont les cannes de sirop vides, naturellement, parce que ça coûterait une fortune. Puis, elle va faire, dans le fond, ce qu'elle me dit, c'est que elle va expliquer comment ça marche, l'érablière ici au Québec, dans sa crêperie. Fait que ça va être décoré des choses du Québec qui ont rapport avec la sériculture, dont elle m'a choisi. Fait que j'étais très fière de ça. Fait que c'est à peu près ça, là, mon parcours pour cette année. Puis, je suis vraiment contente que vous soyez là. Je suis un peu nerveuse, mais je veux vous le dire, franchement, je suis vraiment contente. Puis, je suis vraiment contente que Jean-Roch ait tout fait ça, puis qu'il m'aille, présenter Mathieu Thomas. Il n'a pas fait de grand cause, là. Puis, Mathieu, je suis contente parce que l'érablière, il ne faut pas perdre non plus que, dans l'ancien temps, là, nos grands-parents, puis nos arrière-grands-parents et tout ça. Écoute, ça devait être quelque chose, là, faire ça dans ce temps-là, là, en raquette, dans le bois, puis go, il n'y avait même pas de cabane, il n'y avait même pas d'outils comme on a aujourd'hui. Fait que je trouve ça vraiment important de garder en mémoire tout ce travail-là d'érablière de nos grands-parents, des arrière-grands-parents, tout ça. Puis, ben merci. Donc, je vais vous présenter M. Morin, qui, dans le fond, ils discutent souvent ensemble tout ce qui entoure l'érablière. M. Morin est un passionné, tout comme Christine. Quand j'entends « Ah, c'est Jean-Roch », je peux m'en aller parce qu'ils en ont pour un bout à parler. Il parle de toutes sortes de choses. Donc, lui, comme je vous dis, c'est un passionné, principalement les chalumeaux. C'est un monsieur qui écrit un livre sur les chalumeaux et qui, dans le fond, en fait une collection, a guidé beaucoup Christine sur la signification, puis les années, puis toute l'histoire autour des chalumeaux. Donc, après ça, au niveau de la boisson gazeuse, il y a une boisson... Non, c'est pas moi qui dis non, ça. OK, pas de suite. Bon. Fait que je vais passer la parole à Jean-Roch. Moi, ça fait plusieurs années que je ramasse du matériel, la séricole, le chalumeau, différents outils, des moules à sucre, des palettes, de la correspondance, des livres, peu importe. Et puis, en 2015, j'avais décidé de réunir ça dans un livre, qui est celui-là. Et puis, de fil en aiguille, le livre a été distribué par différents vendeurs, entre autres Équipement La Pierre. Et puis, M. Thomas en a acheté un, des équipements à la pierre. Suite à ça, il m'a envoyé un email pour me dire qu'il avait acheté mon livre. Donc, moi, je ne connaissais pas ce monsieur-là. Je lis son courriel. Il me remerciait et me félicitait d'avoir écrit un livre en anglais et en français, parce que le livre est en anglais et en français. Ça reste comme ça. Moi, entre-temps, j'avais acheté ce livre-là, que j'étais en train de lire, qui est donc ben, bon, ce livre-là. Puis, par après... Mon fils m'avait fait procurer un autre livre pour Noël, un autre livre de M. Thomas, mais qui ne faisait pas encore le lien entre les deux. Je lisais mes livres. Deux, trois jours après, je t'envoie mes courriels. Puis elle regarde le livre. Elle regarde mon courriel. C'est le même gars. Fait que là, je lui ai répondu. Ça fait de ça, je dirais, peut-être 2 ans et demi, 3 ans. Depuis ce long correspond. Et puis, il m'a annoncé qu'il faisait, lui, de la recherche sur les cannes de métal. Et puis, au Québec, il y a beaucoup de modèles que lui n'avait pas. Finalement, il nous fait un petit tour dans Bellechasse et aussi dans Beauce. Et puis, on en profite pour prendre beaucoup de photos de tout ce qui est contenant de métal, canne ou galon ou demi-galon. Lui, c'est dans le but d'écrire un futur livre qui concerne les cannes de sirop. Puis, il dit à Mathieu, moi, je connais l'artiste qui a fait ce dessin-là. Aimeriez-vous la rencontrer? Il dit, ben oui, vous la rencontrez. Fait que ça l'a... Ça a généré qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui. C'est pour ça que Mathieu est là, puis que je suis là, puis que tout ce beau monde-là nous reçoit. Puis en terminant, j'aimerais ça me remercier Christine et sa petite gang de nous recevoir de cette façon-là. On va l'applaudir. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, tout ça tournait autour de notre ami M. Mathieu Thomas. Donc, je vais inviter Mathieu, qui est un chercheur indépendant, docteur en philosophie, historien,
est archéologue indépendant, étudiant divers aspects de l'histoire, des paysages et de la culture matérielle de l'industrie assyricole. Monsieur Thomas. My background, which was mentioned there, I'm historian, archaeologist. I have a PhD in land resource research, but my passion has grown to be researching the maple syrup industry. And it started as an archaeologist finding abandoned sugaring camps in a native community in Wisconsin, which got my interest grown to look at all aspects of the maple history story, which has just led to all kinds of great opportunities and realizations that there's not many people researching and writing about maple syrup history, which is great and is bad because it's good for me. There's opportunities abound, but I'm always looking for new colleagues, which is how I connected with Jean-Roch and Kristen as well, right? Because you never know where the connections go. And one of the things I'm especially interested in, on the U.S. side of things, there's lots of folks who are focused on the history of maple, but they let that barrier of the border stop them. And I want to work beyond that. I don't speak French. I'm working on it, but I don't let that stop me. With today's wonderful translation technology, you can do amazing things, including research and communication. One of the things I'm trying to do, I wouldn't call it be a maple history ambassador per se, but in making this trip, I'm meeting lots of people and opening the doors in Quebec to some of us American researchers to try to expand the whole network of both the research side of it, but then what we do with it, which is to share it with everybody. And the more everybody knows about all of our history, because the reality of the maple industry is it's one big industry. Even though Quebec is the biggest right now, there's been, you know, different times where it's been a little bit different. So I'm very interested in the whole of it and trying to establish an even greater embracing of maple history by everybody without any language barriers. So I have a website, for example. I research all kinds of topics, and I publish on my website. I publish articles. I publish books. I was asked today if I have any opportunities or interest in publishing any of my books in the future in French, and I do. The model that Jean-Roch has presented of half, you know, the same book in English and French has, you know, made me happy when I first saw it and made me motivated to do something similar. So when I revise this book, which I will do, because it has a lot of this story is relevant to people in Quebec and their maple history, I want to do this book in French and English as well. So I have great plans and great motivation from this trip related to my research. And of course, the ideas are swimming in my head from all the things I've seen and the people I've met and you know, where to take things in the future. So happy to answer any questions too. Yeah. La première partie, ça va couvrir différents chalumeaux comme on voit sur la table ici, oui. Là. Avec le brevet d'invention qui est imprimé, quelqu'un l'a, puis la photo qui va avec, qui va l'accompagner. Il y a plusieurs brevets dans le livre qui n'ont pas la photo des chalumeaux parce qu'ils ne sont pas trouvables. Ensuite, on a différents outils assyricoles dans le livre. Et puis, il y a aussi des brevets d'évaporateurs. Puis, qu'est-ce qui est le fun de mentionner dans ce livre-là? Il y a plusieurs brevets, puis il y a un brevet d'évaporateur où, il me semble, au début du 1900, là, c'est la propriétaire du brevet, c'est une femme. Puis à l'époque, on sait, d'après le Code civil, les femmes ne pouvaient pas rien écrire ni signer. Hein. Mais le brevet est enregistré au nom d'une femme. Elle avait du caractère ou elle avait... Mais c'est elle qui a le brevet à son nom. Okay. Puis c'est une belle page d'histoire, ça. À la fin du livre, j'ai écrit un petit récit qui raconte le temps des sucres en 1876. Les personnages dans ce récit-là ont tous existé. C'est leur vrai nom, leur vrai âge. Les événements qui se sont arrivés ont tous réellement arrivé dans le temps, exactement aux mêmes dates. Les tempêtes de neige qui est décrit dans ça,
c'est vraiment des tempêtes qui ont été répertoriées. La pleine lune, elle est à la bonne date, puis tous les lieux existent. Les noms et prénoms correspondent à une réalité. Fait qu'on raconte dans ça comment se faisaient les sucres, là, à la fin du 19e. Tout ce que vous faites. Nous, on est bien entendu bien fiers, hein? Moi, quand Christine m'a annoncé que ce serait un visuel de Portneuf qui figurerait sur une des boîtes, bien entendu, j'imagine mon collègue député fédéral et ressentir exactement la même fierté, mais on connaît les anciens, certains anciens visuels. Est-ce que ça s'est fait pour durer longtemps? Est-ce que l'exercice auquel vous êtes prêté, c'est-à-dire de demander de redécorer la boîte, c'est un exercice que vous mettez de côté, puis on est convaincu d'avoir ce beau visuel pendant encore 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou est-ce que vous allez refaire ça régulièrement? Mais en fait, Il faut savoir que chaque équipementier à Séricole a un peu, je vais dire, son branding, donc a son propre visuel. Nous, avec BMR, Groupe BMR à Grisonde, on fait ce pari-là pour les prochaines années. Là, vous me demandez un horizon, je suis un peu embêtée, mais nous, c'est sûr que tant que l'engouement sera là de la part des acériculteurs, on a misé là-dessus. OK, c'est pas prêt de changer. Exactement. A priori. Exactement. Donc, mais... nous, quand on fait le processus, là, c'est sûr que pour l'impression des cannes en soie, là, une fois que le travail des artistes est fait, là, bon, la toile elle a été numérisée, puis ça a été envoyé à notre fournisseur et adapté là, au format de 540 millilitres. Mais évidemment, il y a comme des plaques d'impression. Puis nous, je veux dire, ça va être ça pour les prochaines années. Après ça, on verra, mais je ne sais pas si vous savez, ou souvent, ce genre de refonte-là perdure très longtemps dans le temps. On aime ça. C'est que moi, dans mon angle de vision, comme producteur qui aime l'histoire, et comme président de la Société de l'Histoire, l'interprétation de cette épigraphie-là, j'ai trouvé intéressante la question de M. Caron. Comment peut-on prévoir la pérennité d'une lithographie sur une canne, sur un produit comme ça? Ma lecture, c'est ceci. Dans les anciennes lithographies, souvent, on voyait plus un mode de production qu'un événement familial. On voyait un cheval, on voyait une vieille cabane à sucre. Donc, on était dans une époque un peu figée, qui n'évolue pas, qui est là. Cette époque-là, c'est ça. Ça fait partie de notre histoire, de notre part. Ici, il y a des références. Le vieux skidou, les vieux bidons à lait, la vieille cabane, mais l'élément qui, je pense, rassembleur, assure une pérennité, c'est que tous les éléments familiaux intergénérationnels, tous les âges sont sur la canne des gens. La personne âgée avec sa canne à l'enfant qui mange la tire sa neige, et ça, mange la tire sa neige, bien, là, ça devient un événement récurrent, annuel. On peut dire que c'est folklorique, mais c'est pas folklorique vraiment. C'est quelque chose qui va se répéter encore tant qu'il va y avoir des érables, puis tant qu'il va y avoir des humains qui veulent se rassembler. L'érablière devient l'occasion aux familles de se ressouder, de se rassembler. Puis même maintenant, on le fait même de façon commerciale en dehors de la saison acéricole. Mais dans la période acéricole, c'est intense. Alors, moi, cette canne-là, je pense que dans le sens de ta question, je pense qu'elle a de l'avenir parce que justement, elle montre une évolution, mais elle est reliée surtout à la famille. Moi, je pense que ta grand-mère, ton grand-père seraient extrêmement, extrêmement ému et honoré de voir cette valeur sur la canne. Maman qui n'arrête pas de dire le mot famille. Puis c'est ça, rassemblez-vous, puis aimez-vous, là. C'est ce que ça montre, la canne. Puis quand tu dis, là, c'est ça, là, tu as eu la chance de grandir sur une ferme ancestrale, une rivière ancestrale, avec tes grands-parents. C'est ce que je vois, moi, dans ça, là. Mais là, t'es belle à me mettre à broyer. Tu sais, puis l'art, c'est que... Y a-t-il quelque chose de plus rassembleur que l'art? Hein, l'art, là, il n'y a pas de mode dans l'art, c'est rassembleur. Et l'histoire aussi est un phénomène rassembleur. Alors, quand on conjugue les deux en même temps, au même endroit, c'est ce qui se passe. Écoute, il ne peut pas pouvoir d'avenir à ça, là, vraiment prometteur. En tout cas, bravo. Merci, Michel. Au niveau de l'avenir de la canne, je pense que ça dépend de nous. Ça dépend de l'intérêt et de la mise en marché qui sera faite. Mais je pense qu'avec un produit comme ça, l'avenir est assez garanti pour de plusieurs années, parce que faut le rappeler que c'est des affaires que vous faites, et avec un produit comme ça, vous avez, je pense, bien ciblé pour avoir un produit qui va durer dans le temps, et ça nous rappelle nos histoires, nos traditions, et considérant le fait qu'on a passé un bout où on s'est un peu
perdu, on est obligé de briser nos relations traditionnelles. Mm-hmm. Je pense que ça, c'est un petit rappel et on est assoiffé de ça. Et je pense que c'est une belle opportunité. Alors, merci Mario, merci Christine. Vraiment, sincèrement, c'est un outil extraordinaire et on peut être fiers d'avoir des gens de passion et des gens de talent dans la circonscription. Bien, merci. Bravo. Merci, Joël. Christine, là, c'est une ambassadrice extraordinaire. New York a sa statue de la liberté, nous on a Christine. Tout le monde la connaît, Christine. Sur les réseaux. Ah oui, ça dérange pas du tout. Ça fait tenir la canne comme ça. Non, mais sans blague, Christine est une ambassadrice extraordinaire. Tout ce qu'elle touche se transforme en or, c'est extraordinaire. Puis sa notoriété, puis elle est tellement généreuse de dire d'où elle vient, elle aime tellement sa communauté que ça se fait tout seul. Christine n'est pas avare de compliments pour sa ville chérie. Fait que, non. C'est extraordinaire. Ben merci, c'est gentil. Parlez un peu. But my feeling of Quebec is just fantastic. I mean, I've been wanting to make this trip. I had planned it before the pandemic, that slowed things down, so I've been kind of anticipating this. Now that I'm here, it's overwhelming. I mean, it's the experience and the people I've got to meet, the places, the collections. I mean, it's everything I expected and more. I mean, people of Quebec are phenomenal, fantastic. I mean, fantastique. I mean, I love it. As Jean-Roch knows, I'm already planning what's my next trip or trips. I mean, there's the opportunities that are unfolding. Because of this trip, which I hoped, but they're definitely everything I hoped for. It's been a phenomenal trip. So I have another book. This is my first book. A second book came out a few years ago. It's a story about a New York maple in the northern woods of New York, a large maple operation that was the biggest in the world at the turn of the last century. And so it's a book about that and how this very wealthy New Yorker built this amazing sugaring operation, and it unfortunately was destroyed in a big wildfire, and all the camps. He had his own railroad network. He had 5 sugar camps with 5 evaporators in each one. This was all 120 years ago. Okay. Nobody was that big at that time. So it all burned up in a fire, and I'm an archaeologist by background. That's my original training. So part of that research was going out and finding the remains of those and relocating this and telling the story of how it happened and what became of it what's to learn of that landscape from the history of sugaring. So those are my first two books. My next book will probably be, there's a number of them in progress, but one that's especially important to this visit is I'm writing a history on the maple syrup can. So mm-hmm. How did the can start? What were they like? What's the technology? What were the companies? How is it different in the United States and Canada, Quebec in particular? Where did the infamous Quebec round 540 mil can start? And how has it evolved? And the fact that this is still the way syrup is canned here. They don't can syrup in the United States anymore. It's in plastic and glass. They don't have this? No. No? This doesn't exist. In no round can like this in the United States. It's very... Yes. and so I'm writing about the history of these, but it's also a collector's guide because people like to collect these and they're very attractive, the history of the artists and things like that. And then because this is bringing it to today. I mean, this is a very important little chapter. Mm-hmm. It won't be a whole chapter, but it'll be a section in the book talking about, you know, this is wow. Very important. Ben ça c'est la canne que CDL m'a demandé de faire un dessin. Et puis, j'ai accepté. Ça s'est passé, ça fait à peu près, ça fait une couple de mois. Puis, j'ai fait un tableau. C'est pas ce tableau-là, mais ça y ressemble beaucoup. Un tableau à peu près de la dimension de la canne proportionnelle.
Puis après ça, on l'a numérisé, puis eux autres, ils l'ont mis sur une canne. C'est CDL, BMR et Agrizonde qui tiennent ces cannes-là. Là. Ça va être les nouvelles cannes à venir là, pour CDL, Agrizonde et BMR. Puis il y a la canne aussi à Annie Carbonneau. Elle, elle a fait la canne biologique. Puis Annie, ben, elle est de Québec. Moi, qu'est-ce que je ressentais à la cabane à sucre, la famille, les amis, les enfants qui jouent, la tire sa neige, quand on ramasse l'eau, les traditions et tout ça. Parce que la sériculture, vous avez ça comme ça dans le sang, vous, là. Là. Ouais. Moi, j'adore ça. Là. J'ai une petite érablière à Saint-Basile là, de à peu près 150 en taille. Fait que, puis ma mère est à côté. Fait que, on est comme des passionnés. Fait que mes deux passions se retrouvent sur ma canne. C'est vraiment génial. Là. C'est une passion là, qui dure depuis des années. Puis, c'est de ma grand-mère, ma mère, moi, ma fille. Là. Après ça, j'ai une petite fille. Fait que peut-être que ma petite fille va aimer ça, mais elle trippe. Elle aime ça beaucoup venir. Là. J'ai su que vous aviez des produits dérivés aussi autour de la sériculture. Ah, ben oui. Là, j'ai fait des jeux sur la sériculture. Ça, c'est un jeu de mémoire qui a des questions. Puis là, ben. Chaque personne, ben, ils répondent là, du mieux qu'ils peuvent, puis c'est bien le fun. Des fois, ça fait des discussions à la cabane à sucre, là. Puis ceux qui ne savent pas comprendre mes questions, ben, mettons leurs réponses, il n'y a pas de problème. Fait que ça, c'est des petits chalumeaux que j'ai peints. C'est vraiment petit, là, si vous voyez, là. Je peins aussi des bouteilles. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment peint à la main, puis je l'ai recouvert d'hypoxie, là, avec un vernis spécial. J'ai aussi des calottes, chauffeur de boiler. Chauffeur de boiler. Oui, okay. La vie est belle en sirop. J'ai des gilets aussi comme ça, toutes sortes de choses. Là, ouais. Des casse-têtes, la cabane à sucre. J'en ai un ici, le casse-tête du chalet de Boiron à Sainte-Christine. Ça, c'est une nappe à colorier pour les enfants ou les parents, si vous voulez. Elle a 36 pouces par 48 pouces de long. Fait que tu mets ça sur la table, tout le monde peut colorier, là, tu sais, peut s'amuser à cabane à sucre. Là, évidemment, c'est une œuvre de cabane à sucre. Après ça, j'ai des tasses aussi. C'est l'heure d'un petit réduit. Mm-hmm. Chauffeur de baller. Après ça, ben, j'ai mes affiches. Puis j'ai un livre à colorier aussi. Oui, ça, c'est mon jeu sirop. J'en avais fait quelques copies, voilà, une couple d'années. Puis là, il y a plein de monde qui me redemande le jeu. Puis là, ben, c'est sûr que j'aimerais ça me trouver un partenaire là, pour mon jeu, pour m'aider et tout ça. Là. Fait que des fois, s'il y a quelqu'un qui aimerait être partenaire avec moi... Vous êtes une vraie femme d'affaires. Vous oui. Avez toutes sortes de produits puis j'ai dérivés. Peint aussi là, des couverts de chaudière. Ça, c'est nouveau. Là. C'est mon petit nouveau là, de cette année. Là. J'ai fait aussi des feuilles d'érable. C'est des vraies feuilles d'érable peintes. Je veux juste vous dire que là, c'est dans le temps des sucres, fait que là, je suis à cabane à sucre, c'est ainsi. Mais la galerie d'art, elle rouvre le 3 mai, du mercredi au samedi, de 11h à 16h. Fait que ça va me faire super plaisir de vous accueillir à partir du 3 mai prochain. Puis venez voir mes nouveautés, venez me voir, ça va me faire super plaisir. Puis c'est le 57 au 138 à 400 pieds.